Yorkais, ma Bourgogne. J'ai pas d'intérêt qu'on dise les médicaments, un petit peu à une patiente qui a du combat de cancer. Je pense pas que ça pose beaucoup mon discours. Et je travaille depuis plusieurs années sur la formation des étudiants en médecine. Et je voulais pointer du doigt une petite chose, c'est que vous vous interrogez pas mal sur quand est-ce qu'il faut faire cette formation-là. Et vous avez naturellement l'idée de dire, mais c'est quand on est au contact d'eux. Mais je pense que, d'après mes travaux, dans le cadre de la formation des étudiants en médecine, c'est bien avant. Si vous voulez passer par le lien de l'université, c'est au premier cycle. C'est le seul moment où l'université a vraiment un effet sur les mécanismes de socialisation des étudiants. Après, c'est l'hôpital qui rentre en jeu. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à initier les étudiants à cette formation. Après, vous aurez un impact qui est beaucoup... De toute façon, déjà, c'est rien que la fréquentation des cours. Il est en chute libre dès le deuxième cycle. Du coup, eh bien, vous avez un impact qui est moins fort.